Ouais, je suis devant le cirque d'hiver, là, tu me vois? Il y a un mec qui est en train de me faire mon lacet parce que j'avais pas envie de me baisser. Merci. Excusez-moi tout le monde, j'ai un truc à dire très important. J'ai goûté la pizza là-bas, là. Elle est dégueulasse. Vous croyez que je rigole? Non, je te crois, mec. Non, je rigole. C'était une blague, elle est excellente. Je vous conseille d'y aller dès maintenant. Et voilà. Excusez-moi madame, est-ce que vous avez un copain? Oui. Vous pouvez me le prouver? Non. Ah, bah vous n'avez pas de copain alors. Allez. Non, désolé, ouais. J'ai trouvé l'astuce. Un couple d'anglais a décidé d'accueillir une réfugiée ukrainienne et ça s'est pas très bien terminé. Début mai, Tony et sa femme, un couple d'anglais qui vivait ensemble depuis 10 ans, ont décidé d'accueillir Sofia, une réfugiée ukrainienne de 22 ans, à leur domicile. Sauf qu'au bout d'une dizaine de jours, la femme de Tony commence à être un peu jalouse et trouve que son mari passe un peu trop de temps seul avec Sofia. Tony lui répond alors qu'il est tombé éperdument amoureux de Sofia et il décide de quitter sa femme pour s'installer avec l'ukrainienne qu'il connaît depuis 10 jours. Ok, story time d'un moment extrêmement gênant. Donc, je suis au restaurant à Paris avec des potes. Et là, c'est le moment où je veux aller payer. Et donc, je suis au desk. Un mec qui arrive et qui dit « Bonjour, est-ce que je pourrais avoir une photo, s'il vous plaît ?» et tout. Moi, je suis en mode « Oui, bien sûr, évidemment, pas de problème. » Et là, il part directement vers la terrasse. Et je me dis « Ok, bon, très bien. » Il rejoint sa meuf et sa meuf me fait zéro sourire. Donc, je me dis « Ah, ok, bizarre, mais peut-être que juste ils aiment bien ma musique, mais pas moi, ou le contraire. » Et là, genre... Je prends son téléphone, je me mets à côté d'eux. Et ce que je fais généralement, c'est que je fais des selfies comme ça, ça va plus vite et tout. Et du coup, je tends le téléphone. Et dans le téléphone, au moment où je fais la selfie, je vois que eux, ils se regardent en mode qu'est-ce qu'elle fout. Et ils me regardent en mode trop bizarre. Et là, je capte. En fait, ils savaient pas du tout qui j'étais ou ils s'en battaient les reins. Ils voulaient que je fasse une photo d'eux. Non. Extrêmement gênant. Sauf que moi, je capte ça, je vois ça dans l'écran. Donc je pète de rire, mais genre gênant. Mes potes au fond, ils voient ça, ils pleurent de rire. Et moi j'essaye même pas de leur expliquer, donc je suis en mode non mais c'est, enfin ouais. Voilà, c'était extrêmement gênant. Et je pense qu'aujourd'hui ils savent pas du tout pourquoi j'ai fait ça en fait. Bonsoir. Bonsoir. Tu m'attais mon cul? Ah, c'est marrant de fumer des aveugles. Bah, du coup, t'es pas aveugle. T'as bien raison. Ouais, je suis prêt, vous me dites. Ok. Ouais. J'adore conduire des bateaux. J'adore conduire des bateaux. Tu danses? Non. Ah, toi aussi, t'es venu pour Ken? Ouais. T'appelles comment? Les gens, ils m'appellent Dacha, mais toi, tu peux m'appeler ce soir? Je crois à l'amour au premier regard ou je me passe une seconde fois? Vous offrez un verre, c'est ça? Pas de GHB dans le mien. Hein. Pas de seringue non plus? Non, pas de piqûre s'il vous plaît, je travaille demain tôt. T'as des jolies jambes, elles ouvrent à quelle heure? Pas déjà vu quelque part? Tu ressembles énormément à mon prochain mec. Ok, d'accord. Okay. Je vais aller rouquiner nos yeux bleus. Ouais, ton sourire. Rouquiner nos yeux bleus, c'est gentil. Oh, c'est gentil. Mais toi, t'es vraiment pas mon idéal, désolé. Tu savais que la langue était un muscle? On fait un bras de fer? Ton père, il serait pas fermier. Parce que c'est un beau cochon. Tu trouves pas qu'il y a un truc entre nous? Ah ouais? Tu trouves qu'il y a un truc entre nous? Non, pas un truc, un turc.
Bonjour. Bonjour. Il fait beau en ce moment? Ouais. Au revoir. Au revoir. Merci. De rien. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci. Merci. De rien. Merci. De rien. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci. C'est pas la peine de faire la Destiny Charles comme ça quand tu marches. T'as cassé la démarche comme jamais là. Ah ouais. Oh là là. Oh, ça me donne envie, tiens, je vais demander. Excusez-moi, bonjour. Merci. Vous êtes le directeur du magasin? Non, pas du tout. Non, dites-moi. Parce qu'en fait, je voulais juste voler une petite chouquette. Juste en prendre une. Voler? Pas voler, mais genre emprunter, je la mange et puis ensuite. Demandez, monsieur. Je demande au monsieur. C'est le responsable. C'est responsable. Bonjour, monsieur. C'est vous le responsable du magasin? Oui. En fait, je voulais juste voler une petite chouquette pour la manger. Enfin, pas vraiment du vol, c'est juste. Comme j'ai un petit creux. C'est un petit plaisir. Allez-y. C'est vrai? Allez-y, ouais. Eh ben, juste pour ça, je vais en prendre 10 et je vais les payer. Ah non, non, très bon. Non, parce que surtout, t'es on appelle ça non, généreux et c'est tout c'est vrai ouais t'es une bombe c'est une bombe oh alors hop pardon vous voulez une petite chouquette madame do you want a chouquette chocolate sugar no. It's free hein. It's gratuit for you hein. I'm good thank you I get it where are you from USA Florida. Yes what should I say Jack Florida what Florida yeah. I got you okay that's cool I'm from Chicago oh, cool. Yeah that's cool that's cool. Are you sure you don't want one? Yeah, okay. Thank you. Oh putain. Voilà. Allô. Mmh. Oh, c'est bon. Oh, elle est bonne. Je vais poser une question. Qu'est-ce qui te dégoûte le plus chez une femme? Bah laisse-moi réfléchir à ça. Ok, on reviendra dans 5 minutes, le temps qu'ils réfléchissent. Coupé. Entracte. Du coup, qu'est-ce qui te dégoûte chez ton homme? Je dirais... Tu regardes la caméra, chérie. Je dirais les pieds, ouais. Les pieds de ton homme te dégoûtent? Ouais, ça peut me dégoûter, ouais. Est-ce que toi, tu pourrais vendre tes pieds sur Internet? Ah oui, mes pieds sont super beaux. Et toi, mon vieux, qu'est-ce qui te dégoûte chez ta copine? Moi, c'est sa tête. Il a dit sa tête. Oh Valérie! Bah Antoine, qu'est-ce que tu fais là? Oh bah je promène les enfants. T'es vraiment papa poule hein. Bonne soirée. Ah là là, j'ai de la chance de vous avoir, vous êtes sage hein. Quand tu te fais des films. Bonjour. Salut, je suis la voisine d'en face, est-ce que tu aurais du sucre à dépanner? Du sucre? Ouais, du sucre. Elle veut que j'en reste sable. Elle est coquine, mais je la doquine. Mais pense qu'à faire le sale. Elle sait que je suis avec mes sraps. Excuse-moi, je sais où est le métro. Ah, le métro, il est comme ça, je crois que je ne pourrais jamais. Ah, merci, c'est gentil. Elle veut que j'en reste sable. Elle est coquine, mais je la doquine. Ne pense qu'à faire le sale. Cindy? Ouais, tu prends la vente, c'est ça? C'est ça, donc là, il y a tout dedans, là. Ok, super, mais tu peux me la montrer? La montrer? Elle veut que j'en reste sable. Elle est coquine, mais je la doquine. Ne pense qu'à faire le sale. Bonjour. Voilà, en fait, je suis venu acheter des coucougnettes. Des coucougnettes. C'est quoi? Des gounamens? Non, c'est des petites boules. Non. Ça vous dérange pas si je passe devant tout le monde? Excusez-moi. Oui. Votre portable, il filme, là. Oui. Je voudrais savoir ce que vous avez dessus et ce que vous avez filmé dans la boulangerie. J'ai rien fait. Montrez-moi votre portable. Rien. Vous êtes complètement barjot. Hein. Oui, j'ai une vendeuse là-bas. Oui. Ça lui a pas plu du tout ce que vous avez fait. Vos petits copains, là, c'est pareil, ok? Ils ont fait quoi? T'as fait quelque chose là-bas à la boulangerie? Je voudrais voir. Attends, si parce qu'on va me dépasser dans la file, mais non. Je m'en fous. Écoutez-moi pour la loi. Vous n'avez pas le droit, d'accord? Non, écoutez-moi. D'accord, écoutez-moi. Finalement, elle s'est calmée. Elle s'est calmée, j'ai réussi à la calmer. Voilà, dis bonjour à tout le monde. Ça va. Voilà, elle a aimé beaucoup les vidéos. Elle a compris le game et tout. Le game. Elle m'a dit, si tu veux, viens chez moi, je te fais des crêpes.